Bonjour et bienvenue, ça va être la troisième, je crois, vidéo, là, le troisième épisode sur la Community Update 2. Donc on va continuer ça, on va faire l'arène en difficile. Donc bien sûr, depuis le dernier épisode, j'ai dormi, donc j'ai fait trois nuits, deux nuits en fait pour plus ou moins passer le temps, parce que j'avais un... C'était pas un hôtel de l'œil que j'avais, mais j'avais autre chose, et j'ai voulu tester en fait. Et ça permettait de récupérer des choses qu'on met dans le lutrin. Aussi, il me restait une chose, un objet là à identifier, donc je l'ai fait. En parlant de ça, on a aussi ça que j'ai pas fait la dernière fois, donc restauration. C'est comme ça que ça fonctionne. Je devais assigner un érudit, ça marche. J'en ai des érudits apprentis. Sur 3. Ok. Donc c'est celui-là. Let's go. Bastion du journal, c'est bon, déchiffré. J'ai dissimulé l'objet dans la région où est inhumé Nepti. Imbumé, pardon. Bref, oui, inhumé. Sur une petite bande de terre entre la terre et la montagne. Mon pendule vous y conduira. D'accord. On va prendre un screenshot, mais est-ce que tu vas me le mettre sur la carte? Aïe, aïe, aïe. Ça serait où du coup? Je crois que... Oh mon dieu, je me rappelle plus moi. Je crois que ça c'est une des grottes. Pas des grottes, des temples là. Galerie secondaire. Genre par exemple... genre ça là, les tombeaux. Je crois que c'est les tombeaux ça. C'est en rapport avec les tombeaux. Si je dis pas de bêtises. Tu es logé dans la région où je... Nepti. Parce que ça me dit quelque chose ça en fait. Bon bref, je verrai de mon côté, j'essaierai de faire un peu. Bref, on a fait ça, donc c'est bien. J'ai fait aussi quelques changements. Donc pour mon équipe, je fais quelques changements. Donc on a Laura qui va utiliser le casque. Aussi j'ai balancé à peu près 15 000 couronnes, je crois. À peu près. Pour augmenter en fait tous les différents équipements. Donc on a ça qui est au maximum. Honnêtement, on perd. On perd quand même. Elle perd surtout de la garde. Parce qu'elle était à 60% quand même. Mais bon, je me suis dit qu'on va la faire full dégâts. Et on va lui mettre ça. J'ai pas eu le temps. Parce que vu que j'ai dormi dans le jeu et tout ça, j'ai même pas combattu au final. Donc j'ai pas testé le trophée des légendes, comment ça fonctionnait. Une fois par combat, cette unité peut utiliser deux actions de base dans le même tour. Donc l'action de base, je pense que c'est ça. Donc en théorie elle devrait pouvoir taper deux fois. Et je me suis dit que elle en fait ça va être vraiment très intéressant, parce que elle utilise du coup la hache qui met un point de santé par application à la fin de son tour, puis est retirée. Donc ça c'est l'effusion de sang. Donc elle va faire extrêmement mal. Si elle peut taper deux fois, elle va faire extrêmement mal. Donc voilà, donc on va faire ça. Après le reste... Le reste, j'ai pas changé grand chose. Il y a elle maintenant qui a la boucle de champion. Pour le reste, j'ai changé quoi d'autre? Elle a la mitaine. Ouais, lui il a le bouclier du coup. Emmerich a le nouveau bouclier, donc ça aussi je l'ai augmenté au maximum, hein, bien sûr. Ah, c'est vachement bien par contre, le fait d'avoir la voix là qui diminue le prix des armes légendaires et tout ça. Ah, c'est vraiment vraiment cool. Donc ça c'est vraiment bien. Donc j'ai pu faire ça au maximum, le casque au maximum. Donc je suis assez content. Donc ouais, ça. Donc ouais, bon pour l'instant c'est pas transcendant non plus. C'est... Ouais, voilà. On l'a quoi. En tout cas, tout le monde est buffé. Voilà, tout le monde est buffé. Tout le monde est très très bien buffé. Parce que, en fait j'ai eu... Pour ceux qui font un peu comme moi, pensez à tout simplement genre avoir des nourritures comme j'ai dit... Ils mettent pas de bœuf, genre des trucs un peu genre du fromage ou des conneries comme ça, ou genre même ça par exemple.
Ça, c'est pour passer des jours, des journées en fait, des nuits. Et après, vous mettez, une fois que vous voulez combattre et tout ça, que vous avez genre récupéré toute votre bravoure ou alors récupéré assez d'influence, vous mettez tous les trucs qui buffent en fait. Et après, vous êtes surbuffé et tout ça, et votre équipe ça devrait bien se passer quoi. Is there a particular league you'd like to challenge? All. Maintenant. Ah. Alors là, c'est quoi? Ouh, on a plein de. Ah, on a les armures en fait. Des gens légendaires. Oh mon dieu. Oh, bah, je comprends pourquoi il y a la voix pour payer 50% moins cher. Bah, par contre, ça a pas l'air top. Hein. Ah, c'est embêtant parce que ça a vraiment pas l'air top. Je veux pas dire, mais. Ouais, mais t'as que de la garde et de l'armure. En fait, ça, c'est. Ça serait des armures. Genre des armures craftées, en fait. C'est plus ou moins pareil qu'une armure craftée. Après, bon, vous avez un set à chaque fois. Donc, du coup, vous récupérez un bonus de 10%. Genre, ça, c'est quoi? C'est de l'intermédiaire? Ouais, ça fait garde et armure. Ouais, non, en fait, non. Là, on repart, en fait, dans les armures de ce type-là. Non, ça, elles sont... En fait, on repart dans ces armures de ce type-là. Donc, c'est-à-dire, par exemple, là, il n'y a que de la garde et de l'armure... ça c'est les casques, pardon. Là on a moins 2 de mouvement, ça c'est pour toutes les armures lourdes. Et après on a garde-armure, là on a garde-armure et légère, on a mouvement plus 2 et armure. Voilà. En fait on repart dans des armures en fait complètement banales. Donc c'est pas vraiment bon quoi. Parce que regardez ce qu'on peut récupérer maintenant. On peut avoir des dégâts critiques volonté, là on a du transport, bon transport à la limite on s'en fout. Là, on a dégâts des attaques d'opportunité. Ouais. C'est un peu bête. C'est un peu bête. Par contre, il faut cocher quelque chose ou pas? Non, juste combattre. Ça marche. Bon, on va utiliser notre équipe. Ah, c'est bête. Je suis un peu déçu, là. Je suis un peu déçu. Si jamais je le perds maintenant, est-ce qu'il va revenir ou pas? Je pense que je dois faire les trois en fait en... avec l'exigence à chaque fois. Arnaud serait mieux en commerce, mais pas. Okay. Je vais le jouer en premier du coup. Au cas où. Ah ben putain. Si l'exigence change, normalement je la perds pas. Ok, non, ça va. Ok, on est bon. Alors si on tue en premier, en fait, ça passe. Si on tue avant, ça passe. Laura doit pas se déplacer, ça marche. Je vais essayer d'économiser, mais... Mais attends, vous êtes quel niveau, là? Vous êtes toujours niveau 4. Ah, mais c'est vrai qu'en fait, c'est pas vraiment les ennemis qui montent de niveau. C'est... C'est le fait en fait d'avoir les exigences. D'accord. Merde. Pourquoi t'as pas habilité en fait?
sais pas, on dirait que c'est désactivé en fait. Qu'est-ce qu'on va avoir en rouge? Je sais plus, poison, ça va. Non, on l'a pas testé encore, Laura. Duran ne doit pas subir de dégâts. Ça marche. Nickel, on a gagné les deux points. Alors, on va tester ça, là. Ah, intimidé avec le casque. Donc. Merde. Elle l'a one shot. Well now, the fifth league really is too easy for you. I can't wait to see how you'll fare in the next one. Please allow me to give you this reward. You can take on this league again if you're not tired of it, or move on to the fourth league, provided your reputation is good enough. Bon, elle l'a one shot. Ouais. Est-ce que ça donne des bonus spéciaux? C'est quoi, c'est intermédiaire? Non. Bon, après, c'est spécial en lui-même. Putain, mais il n'y a même pas de... Il n'y a même pas d'emplacement, en fait, pour les renforts. Est-ce qu'on peut l'augmenter en étoile? Je crois pas que Non, mais c'est les armures, en fait, il n'y avait pas avant. J'avais pas d'armure légendaire, donc peut-être qu'on peut augmenter les étoiles. Peut-être qu'on peut mettre 3 étoiles, en fait. Faudra voir. Mais connaissant les devs, je pense qu'ils n'ont pas pensé à ça. Ils n'ont pas mis 3 emplacements, en fait. Après, c'est sympa d'avoir une armure un peu spéciale, hein. Parce que là, c'est assez unique, du coup. Mais ouais, comme j'ai dit, c'est pas vraiment bien. Et même si on l'augmente à fond, ça sera pas bien. Après, oui, il y avait quoi? Il y avait ça, je crois. Augmente de 1 par objet légendaire porté. Genre la volonté. Oui, du coup, tu peux avoir beaucoup de volonté, en fait, grâce à ça. C'est intéressant. Ah, je suis déçu. Is there a particular league you'd like to challenge? Oh. Merde, non. Après ça, quand on aura fini les combats, là, on ira au forgeron, voir si on peut mettre des étoiles dessus. Ah oui, mais c'est vrai qu'on garde notre bravoure, en fait. La bravoure, elle est utilisée dans l'arène, en fait, pas en dehors. Chaque compagnon doit se déplacer, ça marche. Tu vas le one-shot. Bon, j'avoue que elle, là, on a peut-être bien fait de lui mettre le casque. Comment ça marche? Deux actions de base. Non, il n'y a rien qui est doublé là. Hein. Ça marche peut-être pas. Peut-être que ça marche pas, j'en sais rien. J'en étais sûr, je viens de bugger le jeu. Je viens de bugger le jeu. C'est pas grave, tout va bien, tout va bien, tout va bien.
pas tuer en les deux en même temps. Faut pas. C'est compliqué. Arnus ne doit pas se déplacer, ça. C'est vrai que je lis ce que ça veut dire, là, genre les actions de base. Arena would offer you a greater challenge. Take this reward with our compliments. Enjoy this reward, as it is the last one you can get from the Fourth League. Et de deux. Ça c'est quoi, du léger? Non, c'est encore de l'intermédiaire. Après, c'est joli, hein, ces trucs-là. Ah, elle est pas mal, hein, celle-là. J'aime bien. J'aime bien la fourrure en fait. Is there a particular league you'd like to challenge? Oh. Donc les bêtes ardentes, c'est parti. C'est parti. Désolé, une petite seconde pour éviter les re-problèmes en fait. Jamais on tue des gens en même temps apparemment. Parce que là il y a encore deux joueurs. Enfin deux, une équipe de deux. Toi. C'est quoi? Cilia ne doit pas se déplacer. C'est voir si je recule. 500, pardon. 502. Ah, c'est pas énorme, hein, quand même. Hein. Les 20%. C'est sympa sur, pour elle, parce qu'elle, il y a un dot, en fait, qui se rajoute. Hein, mais j'avoue que, voilà. Pourquoi t'as pris de la vie? J'accompagne de finir son tour au contact d'un ennemi, ça marche. Pourquoi elle a récupéré de la vie? J'ai pas trop compris ça. Crisquette doit être engagée à la fin du round. Bon, ça va. Est-ce que je peux te tuer avec ça? Pas vraiment. Non. Très bien. Ah oui, mais attends, si je contre et que je te tue en contre, ça va bugger le jeu, je crois. Donc on va éviter de te tuer en contre. Merde, putain. Ah, c'est embêtant ce mouvement de caméra.
Ouais, non, j'essaie de comprendre là, l'accessoire qu'on lui a mis. On peut le tuer ou pas, là, s'il vous plaît? Ah mon dieu, t'es sérieux, on l'a pas tué? Quelle merde. Je croyais que ça allait marcher. Ouais non mais non, elle est trop loin. Oh mon dieu, j'espère que ça va pas bugger. Non, c'est bon. This time it's Trevette who looks disheartened. She won't be happy to hear that you got a reward for humiliating her. I wonder how many champions will give up on their careers after facing you. Okay. Ça c'est joli par contre. Je vois un peu. C'est du léger, hein, je crois. Léger. Toi, une grande. Ça c'est l'équipement que je... Ouh, en plus c'est noir. C'est tout sombre. Mon dieu, qu'est-ce qu'il y a avec les yeux là? What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce qu'ils ont les yeux? Qu'est-ce qu'ils ont les yeux d'Ingrad là? C'est l'armure qui fait ça. C'est quoi ce truc? C'est l'armure sur sûrement certains personnages. Oh la vache. Ah, faut prendre un screenshot. Faut prendre un screenshot. Ah, c'est con, je peux pas zoomer, désolé. Hein, je veux pas aller plus loin que ça. Ouais, c'est à cause de l'armure. Ça fait peur, la vache. Is there a particular league you'd like to challenge? Ouais, ouais. Alors. Mode doit être engagé. Ouais, on peut le tuer, ça. Après, qu'est-ce que ça peut être, les attaques de base, les actions de base, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Genre bouger deux fois? Ouais, on va le faire en deux fois, parce que je sais qu'elle peut one-shot les deux, mais dans l'arène ça risque de poser problème, donc on va faire ça. Ce qui est embêtant, c'est que ces bugs là, où les tours se jouent pas vraiment bien, c'est que c'était dans les arènes, en fait, les nouvelles arènes qui étaient rajoutées, qui sont sorties au fil du déroulement du jeu là. Et après, ça a été corrigé. En fait, ça a été corrigé avec le temps. Mais là, on a exactement les mêmes problèmes, quoi. C'est un peu bête. Ah, j'aurais dû me coller, genre faire ça. C'est pas grave. Ah merde, j'ai pas fait attention. Ah, bon. C'est pas grave.
Je me demande si ça a pas changé ça maintenant. Ou alors c'est parce que c'est des champions. Parce que ça fait. Parce que normalement là, les 229 de dégâts, il est censé se les prendre à la fin de son tour. Ouais, à la fin de son tour. Donc là, ça marche pas. Ah, il a toujours intimidé, par contre. Ouais, 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 non. Mais après, c'est sûrement parce que c'est la reine. C'est sûrement parce que c'est la reine. Le code doit pas être le même et tout ça. Donc, du coup, ça crée beaucoup de problèmes. Par contre, là, ça crée vraiment beaucoup de problèmes, en fait. Si vous n'avez pas une équipe comme moi qui est, on va dire, en gros, surpétée, ça vaut pas le coup de tester, hein, parce que vous allez passer un mauvais moment. Entre les bugs et la difficulté du combat, ça va être vraiment très très relou à jouer. Ah merde. Attends. Corriger ça. Voilà. You are truly formidable fighters, mercenaries. Maybe you should open your own arena when you retire. Should you ever need a servant or a referee, you know where to find me. Ok. Mon dieu, l'inventaire. Alors. Ça. Donc, ça c'est du léger aussi, faut voir un peu. Ouais, ça aussi c'est sympa. En plus vert comme ça, il n'y a personne qui a ça, vert et violet. Sympa. Et maintenant, le plus difficile. Is there a particular league you'd like to challenge? Commando mortel. Non, maintenant je comprends en fait pourquoi. Ça c'est la commandante Iltred, mais ça c'est le nom en fait. Commando mortel, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes en fait. Maintenant, j'avais pas vraiment compris ça. Trois championnats faits au cours d'un long péril. Chapeau vent. Let's go! En fait, là, la difficulté, ça va être de pas perdre nos personnages. Ça va être absolument de pas perdre nos personnages. Parce que ça va durer longtemps. Une petite seconde. Mais bon. Alors, sergent Ada doit être engagé à la fin du round. Je pense qu'on peut la one-shot. Bien. Chaque compagnon doit se déplacer. Ouais, tu devrais faire l'affaire. Très bien. Chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un ennemi. Ça va aller aussi. Toi, t'as toujours l'inspiration. Ok, ouais, parce que je crois que le jeu, en fait, littéralement pète un câble. Dans le sens où les rounds, en fait, se finissent, mais on est toujours en combat. Vous voyez ce que je veux dire? Doit pas subir de dégâts. Mais non, putain.
Juan ne doit pas se déplacer, ça marche. Est-ce que je peux tuer les deux d'un coup là ou pas? Putain, j'ai peur que ça bug. Ah, quoique, ça va. On va pas tuer les deux d'un coup. On va faire ça. Parfait. Johan, on va pas se déplacer. Très bien. Faudrait qu'il soit un peu plus haut niveau quand même. J'avoue que pour moi, c'est pas vraiment super super fun en fait. Très bien. Il trade. Non, herde. Chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un allié. Oh putain, c'est relou ça. Ça, c'est super relou. Alors, attends. Est-ce que je peux te défoncer, genre te one-shot? Bah ouais. Silea, elle est tellement puissante. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une relique. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ok, donc commander le trade doit être engagé à la fin du round. Bon ben, on est reparti. Ouais. Après, je suis content d'avoir la difficulté extrême. Hein. The champions of the 4th and 5th league even came to congratulate you. Parce que bon. You will always be welcome here, but as you just won the hardest fight we can offer, I'm afraid we are now unworthy of your prowess. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, parce qu'on est en extrême, c'est bien, parce que du coup, il y a quand même un peu une difficulté par rapport à la... À la bravoure, en fait, pour tout ça. Alors, on a maintenant... on va pas regarder... On va pas comparer, parce que sinon, on a du rouge partout. Ouais, armure lourde... Ah, elle serait sympa, hein. Elle serait très très sympa hein, de la voir comme ça. Ouais. Honnêtement, j'avais vraiment envie que ça en puisse. En fait, on ait une armure genre assortie à ça, au casque. Là, ça aurait été vraiment cool. J'avais vraiment envie que ça soit un truc comme ça, mais apparemment non. Bon, bah, du coup, c'est fini. Is there a particular league you'd like? Ouais, on a tout fini. Bah honnêtement, les combats sont sympas. C'est juste le niveau en fait, il est pas assez élevé. Alors, toi tu donnes quoi? I didn't think anyone would ever defeat Hiltrud. I suppose I can sell you everything I have now. 360? T'essayes de m'arnaquer? C'est 300 normalement. Je crois que toi t'essayes de m'arnaquer toi. Je crois que j'ai besoin de... Lui, il a besoin de quoi? Il a besoin de la course, lui. I didn't think anyone would ever defeat Hiltrud.
Non mais de toute façon on va aller voir pour les armures pour les augmenter. Bon, 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 on l'a fait. On va retourner à Storm Cap. J'avoue, tout petit peu déçu là, des récompenses. En fait, le truc, c'est que c'est bête. En fait, c'est bête ce qu'ils ont fait. Parce que les récompenses, elles sont vachement intéressantes. Si jamais on était genre avant le fait que on puisse augmenter... Oh mon dieu, il y a une attaque de bandits. Ouais, non, mais on va pas y aller parce que sinon c'est 45 personnes. En fait, c'est bien avant qu'on puisse augmenter les armures, les étoiles des armures, en fait. Parce que du coup, on n'avait pas vraiment le choix. Maintenant, on a tellement différents choix pour les armures. Donc du coup, bah, ça sert plus à rien d'avoir des trucs basiques comme ça qui font juste armure et garde. Ça sert vraiment à rien. Aha ! On peut. On peut. Putain, il faut de l'acier acadien. Ok, bon, c'est moins mauvais. C'est moins mauvais que ce que je disais. Bon, on peut mettre des renforts, du coup. Parce que chaque étoile va débloquer un point de renfort. Ok, on peut faire ça. Ah, ça reste quand même moins bien. Ça reste quand même moins bien. Par exemple, là, on a transport... Enfin, non, c'est ça, un mauvais exemple. Lida par exemple, là il a dégâts d'attaque d'opportunité 9% et il a volonté plus 1. Là il a dégâts d'opportunité 4 et volonté 1. Vous voyez? Si je mets ça, ça sert à rien. Si je mets un truc intermédiaire là. Ah, ça m'embête. Je suis déçu. En fait, si je les prends... On a quoi? Il y en a 5. Ça fait 5-7. À la limite, on peut en mettre sur des gens comme ça. Mais tout le monde, en fait, a des casques qui sont vachement bien. Ah oui, mais en plus, ils ont même pas d'habilité, les... Putain, je viens juste de remarquer. Oui, non, c'est ce que je me disais aussi. Ils ont même pas d'habilité. Est-ce qu'on peut leur mettre des habilités? Je pense. Hein. Parce que là, ça serait le comble. Qu'on puisse même pas leur mettre des habilités, quoi. Je vais voir, genre ça. Celui-là. Tac. Ouais, c'est bon, on peut. On peut. Ce que je vais faire, c'est peut-être les augmenter. Et les mettre à des gens qui n'ont pas de set, on va dire, de nouvelles armures, en fait. Genre, par exemple, là, Migue, par exemple, elle a pas d'armure, en fait, améliorée. Donc, peut-être qu'elle peut utiliser autre chose. Mais bon, encore une fois, ça veut dire que je vais dire non au casque. Et les casques, par contre, eux, me donnent des trucs en plus. Non, honnêtement, c'est de la perte. Je peux pas me permettre de faire ça, en fait. À la limite, lui, il peut être full armure. Légendaire. Parce que lui, il a une armure de base fabriquée par la troupe. Donc du coup, c'est du armure et garde. Donc lui, il pourrait. Lui, on peut le mettre comme ça. Ouais, lui, on peut le mettre comme ça, à la limite. Mais le reste...
Après, bon, c'est des détails, hein, j'ai envie de dire. Des critiques 2, volonté 1. Mais bon. C'est en additionnant les statistiques qu'on arrive à des surhommes. Hein. On perdrait tellement de volonté, en fait, à faire ça. Parce qu'il y a tout plein de gens qui ont de la volonté. Donc du coup, ça va foutre la merde. Pour l'équipe. Parce que vous savez, plus vous avez de volonté, mieux c'est pour... comment ça s'appelle? Might she be looking for work? La galvanisation et tout ça. Je prends un contrat parce que je veux tester un truc. En plus, parfait, c'est là que je vais aller. Ouais. Je testais Laura là. Voir si c'est parce qu'on était en arène ou pas. L'action de base là. Après l'action de base en combat, qu'est-ce que ça pourrait être? Genre ramasser des objets par terre? Non, ça n'a pas de sens. C'est toi le chef. Ah ouais, c'est bon, ça marche. Ouais, donc elle peut taper deux fois. Ok, c'est bon. Donc c'était la... Vous voyez, comme j'ai expliqué, le code du jeu... Putain, 3 étoiles, la vache, ça tue. Trouver des trucs comme ça, 3 étoiles, quand vous commencez le jeu, honnêtement, ça va changer la vie, hein, par contre. Ça va être tellement facile. Peut-être qu'au final, extrême en nouvelle partie, ça va peut-être pas être aussi dur que ça. Mais ouais, là, ça, c'est peut-être pas mal, du coup. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, l'arène, pardon. Excusez-moi, je... Ah mais non, c'est 360. Bon, bah j'ai un... Par contre, je peux... Merci. Donc comme je disais, oui, c'est l'arène, elle a un code, en fait. Le jeu, il est codé différemment pour l'arène. Je suis certain de ça. Et du coup, ça crée des problèmes pour beaucoup d'habilités. Je suis sûr et certain. C'est pas du copier-coller, en fait. Parce que vu qu'il y a des règles spéciales et tout ça, et ça doit créer plein de problèmes. Et c'est pour ça que les arènes sont assez buggées par rapport au jeu. Parce que honnêtement, le jeu a pas vraiment de problème. Je crois que moi, j'ai jamais eu de problème en combattant normalement. Mais dans les arènes, oui, il y a des problèmes qui sont générés. Ok, donc on a ça. Donc maintenant... Alors, l'arène vaut vraiment le coup pour certains objets. Donc ça vaut le coup pour ça, le trophée des légendes, l'accessoire le plus utile au monde, là par contre, du coup, parce qu'avec ça, deux fois, donc du coup, c'est complètement abusé. Donc ça veut dire qu'elle peut mettre deux fois, en fait, une effusion de sang, ce qui est en un tour, ce qui est magnifique. Donc elle peut one-shot sûrement énormément de gens. Et si elle les tue pas, elle va mettre, genre, je sais pas, entre 500 et 1000 d'effusion de sang, s'il faut. Donc extrêmement bon. Le casque aussi au final il est pas mal. C'est vrai que des dégâts augmentés c'est bien. Vous pouvez les mettre sur le tank à la limite. Moi personnellement je préfère garder la stabilité pour les tanks. Comme ça ils sont increvables. Genre lui il est imbougeable. Il peut pas bouger. Déjà il est inébranlable et il peut pas se faire des buffs et tout ça. Et il est aussi résistant au feu, saignement, poison. Donc bon c'est pas vraiment le mec qui va crever. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je préfère le garder comme ça en fait, ne pas lui mettre ce casque là. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Est-ce qu'on s'arrête là ou pas? Est-ce qu'on s'arrête là ou pas?
Qu'est-ce qu'on a à faire exactement? On a... Alors, si je dis pas de bêtises, on a encore pas mal de trucs à faire. Mais par contre, je vais regarder un peu de mon côté. On a ça, la clé du noble, et on a le pendule à faire. Et aussi, on a du coup... le pupitre, là. On a ça à faire, à étudier, à trouver, en fait. Ah, donc, ouais, on a pas mal de petits trucs à faire. Donc, on fera ça la prochaine fois. Là, je voulais faire juste une vidéo pour l'arène en difficile, en fait. Donc, moi, je vais un peu avancer de mon côté. Je vais un peu farmer aussi, voir si j'augmente les armures ou pas. Je vais récupérer un peu de l'influence et tout pour aussi finir les routes pavées, là, qui me manquent. Et je vais un peu m'amuser avec mes personnages, là, voir si je peux pas améliorer leurs trucs. Et je pense que l'armure lourde, je vais l'augmenter. Et ça sera Amric qui va en profiter. C'est bête qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de deuxième masse légendaire. Je sais qu'il y a Ménette qui l'a. Ménette, il a ça. Et la masse, là, elle est extrêmement bien. Mais après, une masse à une main, il n'y en a pas, je crois, légendaire. Pas de deuxième. Je sais qu'on a une des masses à deux mains. Je crois qu'il m'en reste. On a une lance, on a deux épées. Il y a deux épées, j'ai envie. Je pense que Migeg va peut-être prendre une épée à deux mains. Une épée à une main, pardon. Et un bouclier, je sais pas trop. Parce que Migeg, en fait, avec cette arme-là, elle est vraiment pas très très utile. Donc, je sais pas trop encore. Je vais réfléchir. Mais ouais. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.